Problème en ce moment, non, mais parce que quand même, il y a des personnes du gouvernement qui remercient des ministres qui n'existent pas. Si ça va pas, on peut en parler, vous savez. <laughs> non, mais elle parle toute seule, quoi. Soliloque numéro 10 en préparation des JO, tout le monde flippe pour cette histoire de transport. <laughs> Mais le ministre des Transports va gérer ça à merveille Ah non Y'a plus de ministre des Transports Bon bah problème réglé C'est vrai que le secteur des transports se porte plutôt bien hein Et puis notre ministre de l'Éducation nationale Des Sports De la Jeunesse Des Oups Je fais des bourdes aussi grosses que le salaire que je me suis pris sur le dos des gens pendant des années des JO va nous gérer ça aux petits oignons, comme elle gère le reste d'ailleurs, dans la tourmente. Je suis sûre que même en mime, elle pourrait encore nous révéler qu'elle a outrepassé Parcoursup pour mettre son gosse dans l'école de son choix. Oups Et puis dans le secteur du logement, les gens abusent de ouf en disant ⁇ Ouais, personne nous aide, nia 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 ⁇ crise du logement, nia 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 hey, ⁇ Eh mais allez-vous plaindre au ministre du logement, hein Il a toutes les solutions. Ah bah ben non, il en a plus non plus <laughs> Ah bah coupe budgétaire, hein. c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Manquerait plus qu'on dépense de l'argent pour rien. Du genre dépenser des milliers d'euros juste pour redonner un nom à Pôle Emploi en France Travail. <laughs> non. Ou encore de remettre l'uniforme à l'école au lieu de se soucier des enseignants. <laughs> non. Impossible. Enfin, si avec ça on n'est pas heureux, je comprends pas.